faire une pause à Condon, c'est pas très reposant. Alors, beaucoup de mal à quitter Philippe et Corinne, qui sont des êtres très sensibles et extraordinaires. Allez, j'emmène vos rêves au bout. J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 33, on the road again. Eh bien, nous sommes arrivés à Condon, pas par hasard, bien évidemment. Nous avons cherché à trouver un gîte à reprendre éventuellement, mais on n'a pas trouvé. Donc, on a acheté cette maison à Condon, qui nous a beaucoup plu, dans le but de recevoir beaucoup de gens, des touristes, des pèlerins, des randonneurs, des amis, bien évidemment, et plein d'autres gens. Tous ceux qui veulent venir sont bienvenus chez nous. Et le but est bien évidemment de leur apporter du bonheur, du plaisir et nous en apporter à nous-mêmes également. C'est ça le but de la manœuvre. Et on espère que 2020 se terminera beaucoup mieux que ça a commencé parce qu'on n'a pas choisi le bon moment pour commencer, mais c'est la vie et c'est comme ça et c'est pas grave. Moi je rajouterais qu'on est très heureux parce qu'on fait des super rencontres. Toi, les quelques pèlerins qu'on a déjà accueillis, c'était des grands, grands moments de bonheur, ainsi que les randonneurs qu'on avait eus sur le gîte. C'est des super échanges, et rien que pour ça, je suis content d'avoir arrêté mon job et tenté cette nouvelle expérience. Donc voilà, c'est que du bonheur. Il n'y a pas d'autre mot, que du plaisir et du bonheur. On est à notre sixième pèlerin, tu es notre sixième pèlerin, et Le ressenti, parce que nous, on n'a jamais fait le chemin complètement. On a fait des tronçons, même à l'étranger, mais on n'a jamais vu nos activités professionnelles. On ne s'est jamais donné le temps de faire le chemin. Et par tes vidéos, par les récits des autres pèlerins et de nos amis qui ont fait le Saint-Jacques, surtout eux, parce qu'on est là en grande partie. Surtout Mario. Surtout Mario, on est surtout là grâce à lui. On le vit le chemin par les ressentis des gens, les rencontres qu'ils font. On est dedans, on est avec eux, on est dans leur cœur, dans leur esprit. C'est vraiment un super moment pour moi. Moi, je suis chaque fois plein d'émotions. Donc, c'est pour ça que ce serait bien que tu coupes. Et voilà. C'est vraiment bien. Voilà. Franchement, c'est que du bonheur. Bon, les amis, notre fils nous manque. Notre fils nous manque, bien évidemment. C'est sûr. Mais vous les remplacez tellement bien que. Voilà. Ciao. C'est Philippe. On va chercher l'énergie là où elle est, quoi. On est émotif déjà. Déjà, c'est normal, ouais. Est-ce qu'on est aussi plus émotif? Parce que, comme je l'ai dit, notre fils nous manque, nos amis nous manquent. Et on vit un bonheur, mais intense. Moi, on ne s'est pas filmé, hein. Mais je répète, je disais à Corinne, chaque fois que je voyais tes vidéos, je suis avec toi. Je fais le chemin. Moi, on me dira, quand tu auras fini à Santiago, est-ce que tu as fait le chemin? J'ai dit oui, mais pas physiquement, mais je l'ai fait avec. Je te le dis honnêtement, c'est ce que je disais à toi. Je disais, le jeune là, moi, il y a comme ça des gens où vous êtes mes gamins. Louis, là, le pèlerin qui était là, c'est franchement mes gamins. Toi, tu as une invitation à Blaï, Louis, il a une invitation à vie. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, et je me dis, la vie, elle est déjà tellement courte. On a passé par des petites galères, elle est une grosse galère. La vie est tellement courte. Pourquoi se casser les couilles?
à faire semblant, en fait. Je ne te cache pas que j'avais hyper peur au début de dire wow, 24 sur 24 avec Corinne, même si on s'aime. Depuis 42 ans. Depuis 42 ans, mais c'est vrai que... Regarde. Ouais, mais bon, après je pleure. Quand ça fait et c'est vrai que... qu'il y a quelque chose, quoi. L'émotion, il y a vraiment à fleur de peau, mais pour tout. Et c'est que des belles rencontres, pas forcément que pèlerins, je veux dire. Les gens de Condon. Les gens de Condon, nos voisins. Parce qu'en fait, comme on a habité pendant presque 50 ans dans la ville où nous sommes nés, tous les deux, bien évidemment, on connaît tout le monde. Hein, parce qu'on se connaît depuis tout petit. C'est pas la même. Et là, c'est complètement différent. On arrive en terre inconnue. On est obligé de se faire notre petit noyau. Alors, on a rencontré Véro et Jean-Marc, des gens adorables. Alors, Serge et Philippe. Exceptionnel et les voisins, et ça nous, et en fait on est obligé de se dévoiler, les gens ne connaissent pas du tout, savent pas la vie qu'on a eue avant, c'est complètement différent de ce que nous vivons dans notre ville natale où tout le monde nous connaît, tout le monde connaît nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos neveux. Là on est Corinne et Philippe. Ouais. Vraiment, si on est nous-mêmes. On part de zéro, entre guillemets. Voilà, on part de zéro, c'est une naissance. Ouais, une belle naissance. Une renaissance. J'ai fait des rencontres dans cette ville extraordinaires. Que ce soit Corinne et Philippe du gîte Au plaisir d'étape, que ce soit Serge et Philippe du Caminologue, ou encore Jean-Marc et Véronique du gîte Champ d'étoiles. Énormément d'émotions, des moments extraordinaires passés en leur compagnie. Ce sont vraiment des gens de cœur, mais alors là, avec une âme énorme. Oh putain, je pensais que ce chemin allait m'endurcir au niveau des émotions et au niveau des séparations, mais il y a encore du boulot là. Allez, on the road again. Allez, bye bye Condon, on se reverra, ça c'est certain. Alors, Corinne m'a préparé un bon sandwich que j'ai oublié, malheureusement. On appelle ça un acte manqué, je pense. Mais voilà sur quoi je tombe sur le chemin. Pour le renard vagabond, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Bon chemin, merci encore. Bis, Philippe et Corinne. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Un petit détour pour aller voir le village de la Ressingle, un village médiéval, et regardez qui j'ai retrouvé sur la route, mon ami Eric. Ça va Eric? Ça va très bien, je suis bien content de te voir retrouver mon petit renard. Et ben, donc ça... on va aller voir la petite Carcassonne. Voilà, la petite Carcassonne, et c'est un plaisir partagé Eric de te retrouver. Surtout que là-bas il y a de la bière il paraît. Enfin, non, pas de la bière, je m'excuse, de la vitamine B12, parce que nous souffrons, donc il faut entretenir l'organisme. Voilà, exactement. Donc on va aller boire une petite vitamine B12 ensemble.
surprise. Ti la 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 la. Ti la 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 la. Voilà, là je passe sur le pont d'Artigues. Alors c'est un pont symbolique sur le chemin de Compostelle parce que à partir de ce pont, ça veut dire qu'il nous reste pile poil 1000 km pour arriver à Saint-Jacques. Et donc, une fois traversé ce pont, on passe aux trois chiffres. Je sens que c'est bientôt l'heure de la douche. Le chemin m'a appris deux choses. De laisser tous les préjugés, ça c'est important, et vraiment la tolérance. Parce que si dans la vie ordinaire tu peux avoir des préjugés, sur le chemin il vaut mieux que tu les abandonnes, parce que tu fais des rencontres exceptionnelles, tu rencontres des gens de toute classe sociale, c'est saisissant. J'ai beaucoup déjà randonné, comme l'an dernier j'ai fait à peu près plus de 700 km, et jamais je n'ai rencontré un chemin jusque maintenant, je ne parle même pas du fait religieux, que c'est un chemin sur lequel tu fais des rencontres tellement différentes, c'est époustouflant. Alors après, il y a l'accueil dans les gîtes, il y a différents types de randonneurs. Tu as des randonneurs qui, comme moi, bivouaquent, donc c'est une ambiance particulière au soir, avec tous ceux qui ont monté leurs petites tentes, c'est des fois des tentes faites de briques et de broc. Et puis tu as les randonneurs qui font de gîte en gîte et que tous les jours au soir on se rejoint pour manger ensemble dans des moments conviviaux, tu vois, c'est simple, c'est naturel. Et quand il y a par exemple un randonneur qui manque de quelque chose, aussi bien une bêtise comme du sel ou un morceau de pain, tout de suite il y a un autre randonneur qui va faire un échange avec lui. Et ce qu'il y a de beau dans cet échange-là, c'est qu'il n'y a jamais d'arrière-pensée financière, c'est d'une simplicité. T'as pas, t'inquiète pas, tiens, j'ai une tomate en robe, tiens, la tomate, ou tiens, j'ai encore un fruit, prends-le. Et l'autre, il va te filer un morceau de pain. Donc, c'est ça, c'est très particulier. C'est un chemin, je te dis, par rapport aux autres chemins, les autres GR en France, qui sont bien. Mais là, c'est un chemin, il y a quelque chose, il y a une âme différente. J'arrive pas à la saisir, d'ailleurs, mais il y a quelque chose d'autre, tu comprends? Et puis alors, il y a la façon de marcher, que des fois, bah, comme avec toi, il y en a, on s'est perdu peut-être pendant 2-3 jours. Moi, j'ai fait une pause à Moissac, toi, t'as fait une pause à Cronor. Et quand on se retrouve, c'est une fête, c'est une accolade, mais chaleureuse, sans arrière-pensée. Et tu penses pas, tiens, il peut me rapporter ça. Non, c'est le fait de se retrouver. Oh, dis, oh oui, tu te rappelles quand on était à Moissac, et c'est là qu'il était 5 heures Moissac. Ça, c'était bien, tu vois, c'est beau, c'est voilà. Hein. Voilà ce que j'avais à dire, tu vois, c'est tout simple. Et ben voilà, j'en parlais hier dans mon live. Mon sous-pantalon en laine de mérinos est complètement mort. Ça, c'est l'endroit entre les jambes. Et donc, ça commence à me faire des irritations. Heureusement, j'en ai un autre. Bon, bah, voilà. L'autre, c'est pas en mérinos, il est très chaud.
Tant pis. C'est dingue, hein. Voilà, en presque 600 bornes, hein. Je me suis tapé des dénivelés parfois de 600 mètres non cumulés. Donc en cumulé, je sais pas, ça passait peut-être les 1000, 1500 mètres, j'en sais rien. Et là maintenant, mon corps est tellement épuisé que quand j'ai un dénivelé de 50 mètres, je suis mort. Je suis au bout de ma vie. Alors que c'est des petites côtes, des petites côtes de rien du tout comparé à tout ce que j'ai fait là. Mais je sais pas, un épuisement général. Mais bon, ça va passer. Je crois que j'ai besoin d'un peu de magnésium peut-être et de vitamines. Il doit me manquer des choses. Voilà, me voilà arrivé au Québec. J'ai dû me tromper de route. Très loin là derrière, vous les voyez pas sur la vidéo, mais on voit les Pyrénées. Alors ça fait bizarre d'enfin apercevoir les Pyrénées. Elles sont à 150 km. C'est loin encore. Voilà, allez, la journée se termine pour moi. Je vous dis ciao et à demain.